Ouais, je suis bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Comme vous avez pu le constater, ça y est, tous les médias ne font que parler de ce qui est en train de se faire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Ils sont en train d'enfoncer, hein, le couteau dans la plaie. Nous sommes déjà en train de saigner. Nous sommes déjà au sol en train de pleurer. Et vous continuez à en remettre une couche. On voit des photos de Kylian Mbappé au Real de Madrid absolument sur tous les sites. Même quand je vais sur les sites des adultes, hein? Il y a les femmes qui commencent à bouger, qui commencent à attirer le monsieur dans la chambre. Et quand on arrive dans la chambre, on voit le président du Real et Kylian Mbappé. Tout est gâché, tout est gaspillé. On ne peut plus se toucher tranquillement. Même dans mes rêves, Kylian Mbappé va au Real Madrid. Vous vous rendez compte? Le Paris Saint-Germain va perdre un joueur qui met plus de 60 buts. Je sais, le club est au-dessus des joueurs. Mais les joueurs qui font que le club est au-dessus, il faut qu'ils soient bons et il faut qu'ils soient là. Sans joueurs, qu'est-ce que le club a? Je vous écoute. Sans joueurs, qu'est-ce que le club a? Voilà, rien du tout. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, Kylian Mbappé va arriver dans une équipe. Oh là là. Mais c'est plus une équipe. C'est une bombe atomique. C'est un bouton rouge. Donc on va avoir Bellingham, Toni Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius Junior, Rodrigo, Alaba, Militao, Carvajal et Alphonso Davies. Oh! Mais qui va pouvoir venir s'asseoir à côté de la table du Real Madrid? C'est fini, les Galactiques version 2024. Avec des petits blacks, des petits métis et des blancs qui courent partout. Toutes les nationalités se trouvent dans l'équipe. Il y a même un petit Turc là qui est en train, hein, de se remettre physiquement en forme. Quand lui il sera en forme, ça va être encore aussi du n'importe quoi. On a vu le petit Ibrahim, un petit Messi version arabe, qui est absolument trop fort, c'est du n'importe quoi. Voilà, donc là, le Real Madrid, l'année prochaine, va être absolument injouable, imbattable, ça va être du grand n'importe quoi. Même les gens qui vont commencer à prendre ça sur les PlayStation, ça va être n'importe quoi. Ouais, voilà, donc là, toute l'équipe du Real Madrid va courir vite, toute l'équipe du Real Madrid va pouvoir marquer, ça veut dire, hein, que le gardien il peut tirer les coups francs, l'attaquant il peut tirer les coups francs. Même ceux qui sont sur le banc, ils peuvent tirer les coups francs. Tu te rends compte? Tu te rends compte de l'équipe qui est en train de se créer avec le Real Madrid? Non, ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Tu vois, en match. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ouais. Tu connais, hein, tu connais, tu vois, ça commence ou pas? Voilà. Bon, comme vous avez pu voir, il y a mon petit spectacle là, le vendredi. Donc, je compte sur vous pour prendre vos places. Hein? Voilà, je compte sur vous. Ou bien vous attendez que je devienne trop costaud comme ça là. Hein? En tout cas, c'est vendredi 23 février. Hein, mon spectacle, hein, ça arrive. Ça va, on va foutre le feu. Hein. Donc là, c'est la deuxième deux fois hein, que je le fais où c'est complet. La première, bon, on va pas se mentir. Les gens, ils n'ont pas trouvé comment se garer puis parce que c'est dans un endroit chic. Hein. Voilà, c'est chicos, voilà, c'est beau. Oh là là, il est où, faut-il? C'est pas possible qu'il est ici. Mais si, je suis là-bas. Donc c'est tous les vendredis à 21h. La prochaine, c'est le vendredi 23 février. Tu prends ta place, tu viens, on rigole. C'est à 21h, on passe du bon moment. En tout cas, tu peux réserver ou venir payer sur place. Il y a une billetterie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui viennent. Bonjour, vous venez pour voir qui? Monsieur Sissoko? Venez entrer. Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer? Voilà, donc merci à toi, bisous.